Adam Agaï, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes journaliste, analyste politique et citoyen engagé. Et vous connaissez bien l'expression « la malédiction du pétrole », qui est une expression paradoxale parce qu'elle fait référence à ces pays qui sont riches en ressources minières, notamment du pétrole, et dont les populations sont pauvres. Parfois, elles végètent dans la misère, voire des conflits. Au Sénégal, on n'en est pas encore là, mais avant même qu'on démarre l'exploitation du pétrole, il y a un gros problème. Je veux vous parler de l'affaire Petrotim, dont vous semblez maîtriser les contours. Est-ce que vous diriez que c'est mal parti, et même très mal parti pour le Sénégal? Oui, il y a ce qu'on appelle effectivement la malédiction des ressources. L'expression anglaise est encore plus parlante. On parle en anglais de « paradox of plenty », le paradoxe de l'abondance. Donc effectivement, il y a un paradoxe. Parce que quand vous parlez de ressources naturelles qui sont en abondance, de pétrole, on doit s'attendre à ce que ce soit une bénédiction, que cela rapporte au pays et au peuple qui ont ces ressources-là. Dans le cas du Sénégal, effectivement, la bonne nouvelle, c'est que le Sénégal est désormais l'un des pays qui peuvent dire qu'ils ont dans leur sous-sol, dans leurs eaux maritimes, sur leurs côtes, etc., beaucoup de ressources en hydrocarbures. C'est une excellente chose que ces découvertes aient été faites et que ça puisse aider le Sénégal à régler ses problèmes budgétaires, à faire face à ses besoins de développement et à surmonter les difficultés financières que, en tant qu'État, il rencontre depuis longtemps. Malheureusement, en effet, ces découvertes qui auraient dû être traitées de façon ouverte et transparente ne l'ont pas été ainsi. En fin de compte, on se retrouve dans une situation assez floue où ces ressources, dans une large mesure, dès le départ, se retrouvent entre des mains étrangères, notamment entre celles de M. Franck Timis, avec en arrière-plan le frère du président, M. Alu Sall, et on peut subodorer que le président lui-même est impliqué parce qu'il a signé le décret qui attribue des blocs à M. Franck Timis. Mais il se dit quand même que c'est depuis l'ancien régime que les contrats sont signés, et les contrats signés par Karim Ouad, le fils de l'ancien président de la République, qui lui-même a signé le décret et contresigné par son ancien premier ministre, M. Souleymane Déné Ndiaye. Mais écoutez, un mal, n'est-ce pas, ne peut pas justifier un autre mal. Et en 2012, les Sénégalais ont voté pour remettre à l'endroit le Sénégal, pour corriger les erreurs et les excès du régime de Abdoulaye Ouad. C'était le sens de ce qui était une mini-révolution en mars 2012 et qui a bénéficié à M. Macky Sall. Les Sénégalais avaient agi pour qu'il y ait une gestion vertueuse et transparente. Comme lui-même le proclamait. Comme lui-même le proclamait. Or, il ne peut pas s'appuyer sur une erreur, une bourde, un acte immoral, criminel même, de M. Abdoulaye Ouad par son fils ou par son ancien premier ministre, M. Souleymane Déné Ndiaye, pour justifier ce qu'il a pu faire. Macky Sall, lui. Ce qui est plus grave encore, c'est que son frère soit impliqué dedans. Ça ajoute au délit d'initié et au conflit d'intérêts. Donc, ces deux fautes qui s'agrègent et qui montrent que les deux régimes de Ouad et de Macky Sall sont apparentés dans les malversations, dans la façon de faire qui est au détriment des intérêts du peuple sénégalais. Et de ce point de vue, n'essayons pas d'ensevelir, n'est-ce pas, le problème, de trouver des diversions pour essayer de sauver un régime, celui de Macky Sall, qui se retrouve piégé, la main dans le pot de confiture du pétrole sénégalais, où il a laissé son frère s'impliquer dedans. C'est inacceptable et ça doit être annulé, corrigé, et le peuple sénégalais tout entier doit se lever pour dire ça ne doit pas passer, et je pense que c'est ça qui va se passer. Il se dit pourtant qu'il était dans les dispositions d'annuler ces contrats-là quand, entre-temps, un certain Eddy Wang et son ami seraient allés voir son frère et Alun Sall, et donc par l'entremise de ce dernier, il a laissé faire. Écoutez, donc, sachant bien que c'est un mauvais contrat, il a signé. Écoutez, si on n'utilisait que des si, on aurait refait le monde.
On n'attend pas d'un dirigeant qui dise il voulait. Est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, c'est contraire aux intérêts du Sénégal. Ce qu'il a fait, c'est inacceptable, c'est immoral. Ça a été fait en catimini. On n'aurait jamais dû se faire de cette manière-là. Dans tous les pays où les ressources naturelles ont servi à quelque chose, des pays qui ont évité la malédiction des ressources dont nous parlions au début de cet entretien, dans tous ces pays-là, les ressources ont été mises sur la table de façon publique et débattues de façon publique en mettant en place des mécanismes, un chemin de fer, une route pour déterminer comment leur exploitation doit se faire, quels mécanismes doivent être appliqués pour éviter les effets de ces ressources qui sont contre-cycliques, parce qu'il y a des hauts et des bas pour les matières premières, pour éviter que l'argent qui apparaît dans des périodes où les prix sont très élevés n'ait pas d'effet inflationniste sur l'économie, pour éviter que cet argent-là ne puisse pas être utilisé pour stabiliser l'économie dans les périodes de crise économique, pour éviter que l'argent ne soit pas utilisé dans des projets qui ne soient pas très utiles au pays. Par exemple, que l'argent puisse être déterminé pour être utilisé pour la santé, l'éducation, etc. Je crois que par rapport à tout cela, on a eu droit à un régime qui a agi en catimini, et dans ce processus, il s'est fait gruger comme un enfant, comme un gamin, par un homme surgi d'on ne sait où, dont le parcours est très sulfureux, M. Franck Timis, n'est-ce pas ? Et on lui a donné carte blanche pour le contrôle de nos ressources naturelles. Je suis convaincu, et je le répète, que c'est un contrat qu'il faut annuler. M. Macky Sall n'a pas le droit de signer ce contrat et d'attribuer nos ressources à qui que ce soit. Être président de la République ne vous donne pas tous les droits. La souveraineté appartient au peuple et les ressources naturelles relèvent de la souveraineté du peuple sénégalais. Concrètement, le Sénégal perd combien dans cette affaire ? Mais on ne peut pas savoir. Parce que vous savez, l'exploitation pétrolière ou gazière, généralement, c'est des exploitations sur un puits, ça peut faire 30 ans. Et il y a des processus. Il y a l'exploration, il y a le développement, il y a l'exploitation, et après il y a ce qu'on appelle en anglais le decommissioning, parce qu'il faut remettre à l'endroit en place les conséquences environnementales, etc. Alors de ce point de vue, ce qu'on peut deviner, c'est que le pétrole, compte tenu de ce qu'on peut s'attendre à une remontée des prix du pétrole, ce qu'on appelle dans le jargon pétrolier la tendance contango, si cette tendance-là se développe, ça va rapporter beaucoup d'argent. Je vous donnerai un exemple. Cairn Energy, qui est une autre société avec Petrotim impliquée dans l'exploitation des hydrocarbures du Sénégal, a commencé notamment en Inde. Et là-bas, il a pu faire plus de 10 milliards de dollars, 5 000 milliards CFA. Donc ça peut être beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup. Et les Sénégalais n'ont pas de droit de regard dans cette affaire-là. C'est gravissime. Donc, ce que le président a fait, c'est un acte de haute trahison. Et par de la nation, il doit être poursuivi. Dans certains cas, dans un pays normal, il est destitué. Pour le moment, il est aux affaires. Ah non, il est aux affaires, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas poser la question. Ah non, il ne faut pas qu'on commence à dire on est là, ce n'est pas obligatoire. L'élection ne vous donne droit à faire n'importe quoi. Non, non, non. Il faut qu'on commence à ce que les yeux dans les yeux. Macky Sall me regarde, je le regarde. Qu'il sache, s'il fait une bourde, qu'il puisse être poursuivi par le peuple. Non, 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 non. Il ne faut pas parler de cette façon-là. On ne va pas se mettre à dire il est aux affaires maintenant. Richard Nixon était aux affaires. Quand il a fait le Watergate, on l'a poursuivi et on l'a démis en 1973. Franck Timis et Alun Sall auraient porté plainte contre quelques personnes de la société civile. On parle également de journalistes. Comment réagissez-vous à ça? Est-ce que vous êtes concerné? Parce que vous-même, vous connaissez beaucoup de choses sur cette affaire. Pourquoi vous tournez autour du pot? Il faut dire qu'il y a 11 personnes. C'est ça. Dont l'avocat de M. Timis, M. Maître El Hadjiouf, dit qu'elles sont concernées, notamment moi-même, Adama Gaye. Je n'ai pas trouvé le nom Adama. On a dit un journaliste. Non. On n'a pas sur la liste qui est sortie tous ces jours-ci, il y a mon nom. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. On a parlé d'un journaliste qui est basé à Washington, aux États-Unis, qui est le correspondant de la RFM. Donc, vous voyez, mais il n'y a pas de nom. Mais vous voyez le flou dans lequel. Il n'y a pas de nom. Mais il y a un flou alors. Mais alors, si c'était le cas, c'est vous qui me l'apprenez. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai appris jusqu'à présent, je fais partie de la liste des 11. Il y a 11 personnes dont les noms ont été communiqués. Et moi, si je fais partie de ces 11, je serai ravi, debout, avec honneur,
de faire face à M. Franck Timis. Parce que nous sommes à 60 ans d'indépendance du Sénégal. Notre ambition n'est plus de voir une puissance extérieure, encore moins une personne étrangère, venir dans notre pays et avoir ou faire main basse sur nos ressources. Il faut que ce soit clair. Le temps de la colonisation est révolu. Et s'il veut porter plainte, il n'a qu'à porter plainte. Bon, non seulement on lui répondra ici devant la justice sénégalaise, mais on ne s'arrêtera pas là. Moi, j'ai déjà sollicité le Serious Fraud Office à Londres, qui est chargé de suivre les crimes financiers perpétrés par des hommes comme lui et d'autres, pour qu'il nous donne toute la lumière sur cette affaire, y compris ce qui a été passé entre des mains extérieures, y compris même si le président du Sénégal est impliqué. Je vais également vous dire aussi que j'ai sollicité un avocat à New York qui m'a tout de suite envoyé les informations concernant l'adresse du Foreign Corrupt Practice Act qui permet aux États-Unis de poursuivre quiconque est associé dans des magouilles de cette nature-là. Et ça ne pardonne pas. Ça peut, vous pouvez être chef d'État, vous pouvez être le frère du président, vous pouvez être un homme d'affaires, vous êtes concerné. Les contrats dans lesquels le Sénégal se trouve lié sont des contrats odieux. Ce sont des contrats qui lèsent l'État du Sénégal, lèsent les populations du Sénégal de leur intérêt supérieur. Pour la première fois que Dieu nous donne ses ressources naturelles, il n'est pas question qu'un individu, fût-il le président du Sénégal, s'arroge le droit de signer et d'attribuer cela à quelqu'un, surtout si ce quelqu'un est affilié à son frère. On peut deviner même que c'est un deal par lequel ils vont se partager les ressources naturelles du Sénégal. Ce n'est pas acceptable. Je pense que le peuple sénégalais, maintenant, est réveillé et déterminé à ce que les choses soient claires. Il n'est pas question qu'on laisse passer cette affaire-là. Je crois que c'est une bourde monumentale qui a été commise. Quand le président la faisait, il ne se rendait pas compte qu'il serait rattrapé par l'histoire et qu'il aurait eu à faire face, n'est-ce pas, aux exigences de transparence et de redevabilité du peuple sénégalais qui, je pense, s'organisera, mettra les moyens qu'il faut pour aller porter l'affaire partout s'il le faut, parce que c'est une affaire qui concerne le destin du Sénégal et au-delà du Sénégal, qui concerne tous les pays africains, parce que les ressources naturelles africaines doivent être exploitées de façon judicieuse au profit des peuples africains si on veut que le continent africain au 21e siècle puisse jouer son rôle et ne plus rester le continent qui est en arrière-plan, en retard de développement du fait simplement de quelques individus qui se réunissent et qui déterminent en posant des actes contre les intérêts du continent africain. Alors Adama Gaye, je rappelle que vous êtes journaliste citoyen engagé aujourd'hui, analyste politique, consultant pour plusieurs sociétés minières. Récemment, le Premier ministre, quand cette affaire faisait beaucoup de bruit, personne ne disait rien au gouvernement. Entre-temps, il a été un peu forcé à sortir de ses gonds. Mais il a donné des informations, on ne sait pas quelle est la véracité. Il disait notamment que sur 68 puits qui ont été découverts, seuls 8 ont été testés positifs et c'est sous le régime de Macky Sall. Est-ce que vous en savez quelque chose? C'est juste? Vous savez ce qu'il faut savoir, et ça je le dis de façon très claire. S'il a dit qu'il y a 68 puits, c'est que pour chaque puits, l'État du Sénégal doit recevoir ce qu'on appelle une prime de signature, des milliards. C'est la règle mondiale. On peut avoir une idée de... Des milliards, beaucoup de milliards. Parce que si vous allez devant les plus grands professeurs d'université, si vous allez à l'OPEP, dans les pays producteurs de pétrole, si vous allez à l'Agence internationale d'énergie, si vous rencontrez tous ceux qui sont impliqués sur les questions pétro-gazières, ils vous diront que la meilleure pratique, la bonne pratique, la pratique universellement acceptée, c'est le paiement d'une prime à la signature. Et que le puits soit sec ou non, cette prime doit être payée. Alors, sur 68 puits, combien ont été payés? Où est cet argent? Qui a récupéré cet argent? Nous nous trouvons en face d'une fraude massive, d'un détournement massif. Et plus ils parlent de ces gens-là, plus ils s'enfoncent. Il faut clarifier d'abord donc cette première chose. Qu'ils disent que 8 puits ont été découverts... Sont testés positifs. Positifs sous Macky Sall. Mais écoutez, un État a une continuité. Il y a un continuum, comme on dit. Parce que, si vous prenez l'exemple du Ghana, c'est de 1896 qu'ils ont commencé leur recherche pétrolière. Ils n'en ont découvert qu'en 2007. Il ne faut pas essayer de personnaliser et de subjectiviser le débat, de vouloir ramener ça comme si c'était la personne qui a eu la chance. Non,
il y a un effort. Prenez l'exemple des découvertes de pétrole en Iran ou bien en Pennsylvanie, 1859, quand on a foré là-bas le premier puits. Monsieur le colonel Drake qui faisait le forage, celui qui l'avait envoyé, était sur le point de lui envoyer quelqu'un pour lui dire d'arrêter. C'est le jour où il est arrivé qu'il a découvert le puits. En Iran, celui qui a découvert le pétrole à la suite d'une concession que le Shah d'Iran lui avait donnée, n'est-ce pas ? Il était sur le point d'arrêter. C'est au dernier moment qu'on a découvert. Donc ça, c'est dans l'histoire du pétrole, c'est comme ça. Vous pourrez, que vous allez en Inde orientale où un Hollandais, Henry Deterding, qui a joué un rôle clé dans la montée en puissance de Shell, n'est-ce pas ? Que vous alliez à Bakou, en Azerbaïdjan, où les frères Nobel ont joué un rôle dans l'exploitation du pétrole. Que vous alliez aux États-Unis avec Rockefeller, qui a joué un rôle dans la standardisation du pétrole. Partout ailleurs, vous avez eu des hauts et des bas dans l'évolution du pétrole, dans la recherche, etc. Dans le cas du Sénégal, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas eu avant. Mais tout le monde devinait qu'il puisse y avoir des ressources. Parce que vous savez, le pétrole, c'est en fonction des plaques tectoniques, n'est-ce pas ? Donc si vous voyez des plaques tectoniques, vous avez une région, le golfe de Guinée, il y en a, mais vous allez de l'autre côté, au Brésil, il y en a, n'est-ce pas ? Parce que ça prend des millions d'années, des centaines de millions d'années pour la formation des hydrocarbures, n'est-ce pas ? Dans le cas du Sénégal, dans le cas du Ghana, dans le cas de beaucoup d'autres pays africains, on pouvait soupçonner qu'il y ait ces ressources naturelles-là, notamment pétrole et gaz. Ce qu'il y a eu, c'est que dans la plupart des pays africains, ce qui a été leur chance, c'est qu'il y a eu la guerre froide et la période coloniale, et il y a eu la période de l'esclavagisme. On ne s'occupait pas d'explorer ou de faire des recherches sur nos ressources. C'était la géopolitique, c'était la prise en otage d'hommes et de femmes pour les envoyer en esclavage. Et pendant la guerre froide, c'était le gel géopolitique de la plupart de ces pays. Et donc l'Afrique a préservé ses ressources. Oui, c'est à quelque chose de malheureux. Bon, aujourd'hui, ces richesses commencent à sortir de terre. Et c'est très bien. Donc dans le cas du Sénégal, en réalité, ce qu'on peut appeler un miracle n'en est pas un. C'est quelque chose qui était là en sous-jacence. Mais est-ce que quand même le Sénégal est à l'abri des effets pervers donc des ressources minières, comme on en a parlé au début de l'entretien, la malédiction des ressources? Est-ce que le Sénégal est à l'abri? À la condition qu'on aille prendre les bonnes pratiques qui existent dans le monde aujourd'hui. Les exemples, c'est dans quel pays? Mais il y a beaucoup de pays qui ont su bien gérer leurs ressources. Le plus connu, c'est la Norvège. Même le Ghana, malgré son endettement malencontreux, a su prendre soin de mettre en place des mécanismes, ce qu'on appelle le contenu local, pour s'assurer qu'il y ait une partie de l'exploitation qui est faite par des populations, la création d'emplois locaux, le fait qu'il faille mettre en place un fonds de stabilisation de l'économie, un fonds intergénérationnel pour le long terme, un fonds de souveraineté pour stériliser les devises et les mettre hors du pays, n'est-ce pas, pour pouvoir utiliser ça plus tard, et d'autres mécanismes qui existent aussi, le transfert de technologie, s'assurer qu'il n'y ait pas au moyen de micmac comptable des mécanismes pour gruger les pays qui ont les ressources naturelles. Tout ça, c'est connu maintenant, n'est-ce pas? Il faut aller chercher, il faut former les gens, leur donner les moyens de connaître l'industrie dans de grandes écoles, comme à Dundee. Je suis un membre du personnel de l'université de Dundee, de ce point de vue, pour les aider à développer leurs activités sur l'Afrique. C'est dans quel pays? C'est en Écosse. Mais aussi, vous avez l'exemple norvégien, vous avez... Américain également. Ben, les États-Unis, on ne peut pas, parce que dès le départ, ce que l'Amérique a fait, c'est de casser les trusts. En 1911, quand Rockefeller a voulu, à travers sa compagnie Standard Oil, contrôler tout le pétrole et également contrôler le chemin de fer pour dominer par la voie du trust le pétrole américain, il y a la loi, je pense que c'est la loi, le Sherman Act, qui a été adoptée pour casser l'entreprise, la mégalopole, comment elle s'appelle
l'entreprise, le trust, je ne sais plus comment on dit ça en français, de Rockefeller. Et depuis lors, effectivement, il y a des efforts qui sont faits pour s'assurer que personne n'ait le contrôle exclusif du pétrole. Vous avez aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle même la loi de la capture. Parce qu'aux États-Unis, c'est différent des autres pays. Parce que le pétrole n'appartient pas à l'État. Le pétrole appartient à celui chez qui ça se trouve. C'est une loi qui, en quelque sorte, se renvoie à la capture. Quand vous tirez sur un oiseau, c'est comme ça qu'on le définit. Si un chasseur qui tire sur un oiseau et que l'oiseau tombe quelque part dans une maison, c'est cette personne-là qui est propriétaire. Voyez-vous. Si on découvre dans un pays, alors que dans les autres pays, le pétrole appartient à l'État. Dans le cas du Sénégal, le pétrole appartient à l'État du Sénégal. Il n'était pas normal qu'il soit donné aux frères, à quelqu'un qui est affilié aux frères du président. J'ai entendu une ou deux personnes, se voulant l'avocat du diable, et prétextant qu'ils veulent défendre le frère du président. En réalité, c'est des gens qui avaient poignardé Macky Sall quand ils connaissaient des moments de difficulté. Que je connais bien ces gens-là aussi, n'est-ce pas, qui essayaient de justifier l'injustifiable. Macky Sall doit lui-même se ressaisir et comprendre que face à cette situation-là, qui est une affaire de défi public, national, patriotique, il n'a d'autre option que de faire machine arrière, de remettre les choses à l'endroit et de comprendre qu'on ne lui fera pas de cadeau. Et je pense que la gouvernance Macky Sall ne vous surprend pas parce que vous l'écriviez et qu'entre la peste et le choléra, vous refusiez de choisir. Ah non, ça ne vous surprend pas. Rien de tout ça ne me surprend. Je connais un peu Macky Sall, je connais ses méthodes. Et ceux qui le connaissent de près connaissent ses méthodes. Le problème, ce n'est pas seulement Macky Sall, c'est Abdoulaye Wade qui a créé cette culture des détournements, de l'enrichissement illicite, du vol des deniers publics, des politiciens qui s'enrichissent à tort et à travers, qui vivent de commissions et de rétrocommissions, qui ont balafré la démocratie sénégalaise, qui ont créé une situation où l'État du Sénégal est un État presque mafieux aujourd'hui. Il faut maintenant qu'il y ait une mobilisation collective pour remettre ce pays-là à l'endroit. Et de ce point de vue, permettez-moi de vous dire, par rapport à tout ce que vous disiez que j'étais, je suis également un homme politique maintenant. Merci Adama Gaye. Alors, quelle lecture faites-vous du traitement que fait la presse sénégalaise de cette affaire Petrotim? Mais écoutez, la presse sénégalaise est un peu prise de court, parce que la presse sénégalaise est très alerte, elle compte en son sein des éléments professionnels, beaucoup d'entre eux, il y en a qui sont abonnés aux insultes pour moyennant des paiements à droite et à gauche, ils font honte à la profession, mais je crois que grosso modo, cette presse est prise de court et il lui faut parer au plus pressé pour traiter d'une question qu'elle ne connaît pas très bien. Donc il faut là aussi, comme ailleurs, renforcer les capacités, parce que de plus en plus, il va falloir qu'on parle de ces choses-là en connaissance de cause. Aller faire des interviews à M. Franck Timis qui vient insulter le peuple sénégalais avec l'accord d'une partie de la presse, avec l'accord de certains avocats qui acceptent d'être à son service, ou avec l'avocat de quelques agents de relations publiques, ou même du gouvernement sénégalais. Ça, je pense que ce n'est pas seulement la presse, c'est le peuple sénégalais tout entier qui doit se saisir de cette question, se former pour connaître ces questions-là et pouvoir en parler avec autorité et rigueur. Ok, nous allons revenir un peu en arrière par rapport à ce que vous venez de dire, que désormais vous êtes un homme politique. Homme politique, c'est quoi vos ambitions? Vous allez descendre dans l'arène, créer un appareil, aller à la conquête du pouvoir, c'est quoi exactement? Je suis déjà dans l'arène. Le meilleur moyen pour être dans l'arène au 21e siècle, c'est d'être dans le débat public, dans le débat politique. Vous savez, je crois que nous sommes en train de vivre des transformations exceptionnelles dans le monde. Ce n'est plus comme avant, les pratiques antérieures. Vous savez, il y a 25 ans, les gens, quand ils demandaient une ligne de téléphone, ils attendaient 3, 4, 5, 10 ans pour avoir une chance d'avoir une ligne de téléphone. Aujourd'hui, presque chacun a une ou deux lignes de téléphone mobile. Il y a 20 ans, 30 ans, vous n'aviez qu'un seul journal et vous ne pouviez pas donner votre point de vue. Aujourd'hui, vous pouvez communiquer sur l'Internet immédiatement. Vous avez des mouvements qui se forment à partir de l'Internet qui sont plus influents que les regroupements politiciens physiques. Vous allez avoir progressivement des gens qui vont s'informer à partir d'autres sources. Et donc, en tant qu'homme public et politique, ma conviction est qu'il faut créer les conditions pour que l'engagement politique soit un engagement avec tous. La mutualisation des savoirs, des idées, des volontés et des moyens. Je ne crois pas en l'homme
politique qui enrichit dans des conditions douteuses, se présente devant l'électorat pour corrompre, pour jouer au bon samaritain. Mais je crois en l'homme politique dont le discours est suffisamment convaincant et consistant et cohérent pour qu'il puisse générer le soutien. Et sur cette base-là, on ne peut rien se refuser, on doit aller jusqu'au bout. Mais ça ne veut pas dire qu'être leader ne signifie pas être en première ligne. Ça ne veut pas dire être président de la République. Ça peut vouloir dire simplement être un leader conceptuel. Ça peut être vouloir dire participer à la transformation de la conception et de la façon de gérer nos pays. Je crois que là aussi, il nous faut également changer notre logiciel mental pour que progressivement les gens comprennent que si nous voulons transformer nos pays, ce n'est pas être là président, être dans des voitures à sirène, être dans l'avion présidentiel, aller à droite et à gauche dans des conférences, faire des discours à n'en plus finir. C'est transformer profondément nos sociétés pour que les gens se remobilisent et comprennent que la crise sociétale, la crise politique, la crise économique ne sera être, aucune de ces crises ne seront être résolues, ces crises-là, s'il n'y a pas un travail d'ensemble. Mais il faut évidemment qu'il y ait des leaders qui soient en avant ou derrière, quelle que soit l'approche par laquelle ils veulent diriger, il faut que tous s'y mettent. Parce qu'être leader n'est pas forcément être en première ligne, en première position. Adama Gaye, ce n'est plus point comme vous remercie. Nous vous remercions de ce temps que vous nous avez accordé. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie vivement et je remercie d'abord et surtout ceux qui nous suivent, qui sont des abonnés de votre site, et je vous souhaite bonne chance. Je pense que vous aussi jouez un rôle important dans la dissémination de l'information. Nous avons besoin d'une information équilibrée, honnête, qui soit une information de qualité, ad rem, basée sur les faits, et non ad hominem, basée sur des considérations subjectives. Bonne chance et merci encore une fois.